Bonjour, je suis Camille Dequy, en charge de suivi des stagiaires et alternants au sein du groupe SAMSIC. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Camille. Marc, peux-tu te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors oui, donc je suis étudiant en école de commerce à Rennes School of Business. Je suis actuellement en année de césure et du coup stagiaire au sein du groupe SAMSIC en tant que chargé de projet RSE. Donc j'ai rejoint le groupe grâce au final au partenariat qui existe entre le groupe et Rennes School of Business. J'ai orienté mon master autour de l'innovation et du développement durable. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà, tes missions, ton expérience en tant que stagiaire ? Alors oui, donc en tant que chargé de projet RSE, donc je pilote différents projets qui s'inscrivent justement dans le cadre de la stratégie RSE du groupe, donc définie par la directrice du développement durable et de la RSE. On est sur des projets par exemple à échelle siège, comme le déploiement du tri sélectif, jusqu'aux projets beaucoup plus internationaux, comme le lancement de la trajectoire bas carbone du groupe, en passant par des projets un petit peu plus transversaux, comme la construction d'un rapport RSE. Donc c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment même. Qu'est-ce qui te plaît le plus en général, que ce soit l'équipe, les missions ? Alors moi, ce qui me plaît le plus, on va dire que c'est mes journées, il n'y a jamais une qui est pareille. Donc ça, c'est un point qui est appréciable. On voit l'évolution du projet, en fait, on le suit et on le pilote. Et à la fin, on est fier en fait, de voir le résultat. Parce que c'est finalement le résultat de plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Mmh. Donc c'est ce qui est appréciable. Oui, c'est agréable de voir ces projets aboutir aussi et puis pouvoir les suivre. Là, tu arrives du coup à la fin de ton stage. Pour la suite, qu'est-ce que tu as prévu au niveau de tes études, voilà, de ta formation ? Alors, pour la suite, donc là, j'arrive en effet à la fin de mon stage. J'ai prévu de couper un petit peu et je vais reprendre mon cursus, donc ma dernière année de master à RSB en alternance. Mm-hmm. Donc, j'ai choisi de continuer au sein du groupe SAMSIC qui a des valeurs que j'apprécie, des valeurs fortes, mm-hmm. Un esprit familial qui est agréable au quotidien. J'ai souhaité continuer du coup, au sein du pôle expertise, donc dans l'innovation, à Paris, donc pour une alternance de 1 an. Je te remercie Marc, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo des stagiaires et alternants.